Bonjour à tous, je suis Mathilde Jouffroy, chargée d'études en production laitière à l'Institut de l'élevage et animatrice du dispositif Inosis Réseau d'élevage Grand Est Île-de-France pour la filière bovin-lait. Donc, j'interviendrai sur un stand qui s'appelle « Des coproduits dans la ration des vaches laitières pour améliorer la multiperformance des élevages en Grand Est ». Et donc, ce stand visera à présenter les résultats du projet COPRAM pour des coproduits pour améliorer la multiperformance des élevages bovin-lait et viande du Grand Est. C'est un projet financé par l'ADEME et le Conseil régional qui vise à améliorer et à optimiser la valorisation donc des coproduits du Grand Est et à évaluer leur impact sur la multiperformance des élevages. L'objectif du stand, c'est de faire découvrir au travers d'animations les différents types de coproduits présents en Grand Est et leurs principales voies de valorisation. Sur ce stand, vous trouverez aussi différents témoignages d'éleveurs qui ont fait le choix de se tourner vers l'utilisation de coproduits. Donc, pourquoi ont-ils fait ce choix? Quelle gestion au quotidien? Et quelles sont les bonnes pratiques de gestion au silo? Donc, au vu de la variabilité du cours des intrants aujourd'hui, l'autonomie est un levier qui peut permettre d'aller vers plus de résilience et nous vous proposons de découvrir quelques clés pour aller vers plus d'autonomie. Donc une opportunité de venir discuter et d'échanger avec les conseillers de la Chambre d'agriculture qui seront présents sur le stand.